Là, ils sont bien. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Émission Radar 107, mais surtout émission Radar qui, après 3 mois avec nos émissions confinées à la fois sur Skype et sur Facebook, on est sorti du bocal. Voilà, on est sorti de la naphtaline. Donc, et du placard aussi. Et du placard, donc voilà. Donc maintenant nous ne sommes plus latents comme avant. Voilà. Parce qu'avant nous étions latents. Donc il y a nuit et brouillard, enfin il est dans la brume de printemps, Pierre Merachkowski, en train de boire son verre. Et donc voilà, donc on est déconfiné, on est en live, comme vous pouvez le voir. Et donc cette émission Radar numéro 107 du 18 juin, c'est pour ça qu'il y a une pelle. Alors vous remarquerez sur l'affiche. L'appel, eh bien c'est l'appel du 18 juin, là, cette fameuse pelle dont tout le monde parle, et elle est là pourquoi ? Ah, eh c'est ben, celle que tu roules. Elle est là pour qu'on n'en perde pas nos droits. Donc effectivement, cette pelle, on va la laisser au 18 juin, et ce qui fait que ben, le 28 juin, on n'en perdra pas nos droits, vu qu'on n'aura pas de pelle. Voilà, donc c'est ça notre appel, c'est un appel au boycott, pour, en fin de compte, boycott de tous les états-majors. On ne va pas séduire des chefs si on est contre les chefs, voilà. Donc, stratégie anarchiste au singulier versus, donc contre, tactiques électorales, alors tactiques au pluriel, voilà. Et elle est sous-titrée, cette émission 107, changeons de système, pas d'élu. Alors effectivement, on remarquera qu'il y a un consensus généralisé. Les mêmes qui ont organisé le premier tour en mars voudraient, de manière illégale, réorganiser un deuxième tour en juin. Alors que si on respectait le code électoral, il faudrait réorganiser les deux tours à une semaine d'écart, comme c'est prévu, en septembre. Voilà. Parce que toute décision qui est prise sous la contrainte, parce que effectivement, une crise sanitaire, c'est une contrainte, eh bien, n'est pas une bonne décision. C'est-à-dire, ce n'est pas recevable. Donc, nous y sommes, c'est parti, et je vais commencer par une citation, et après je vous dirai qui a dit ça. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Damoclès, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Eh bien, c'est Jésus, l'artisan juif de Palestine. Non, c'est Louis de Funès. Ah, alors c'est Louis de Funès. On a une rectification, s'il te plaît, Marc. Parce que, effectivement, c'est Louis de Funès. Et donc, comment est-ce que tu as deviné que c'était Louis de Funès ? C'est la pauvre Louis de Funès, c'est évident. Ce genre de généralité franchouillarde et assez bébête, ça peut venir dans la bouche de Funès, avec un cachet quand même progressiste, ou quelque chose comme ça. Quoi. Voilà. Et la famille, l'épée, tout ça, c'est comme Louis de Funès. D'accord. Donc Louis de Funès, qui était un artisan juif de Palestine, très connu d'ailleurs. De Palaiso. Et c'est vrai qu'il avait comme avant. Voilà, ça ne commence pas. Mais en fait, c'est Jésus de Funès, parce qu'on l'a appelé Louis, parce qu'après, il est devenu patriote, il est obligé. Il a fait comme la famille Dassault, il a oublié son patronyme Bloch pour devenir Dassault. Voilà. Et comme ça, depuis, ils n'arrêtent plus leur char. Donc, avant de venir, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres, c'est reparti, parce que il y a le cinéma de tous les alternatifs, le temps est venu, tu sais, que les avions ne décolleront plus, que dorénavant, le monde va changer, donc voilà, et bien là, vous voyez, dans l'immobilier, c'est reparti comme en 14, c'est-à-dire qu'il n'y a ni avant ni après, il y a les affaires, et les affaires, voilà, c'est bon, il y a bon les affaires, et puis là, on a autre chose, des consultations gratuites. Alors, il ne faut pas oublier, il y a Annie Temoboni de l'association Henri Pézra qui a signalé qu'il y avait des accords qu'on appelle PPP, partenariat public-privé, qui font qu'une entreprise privée américaine, dont je citerai le nom, Microsoft, avec des institutions nationales françaises sont en train de mettre au point un fichier, alors de fichiers de personnes à risque. Et quelles sont ces personnes à risque? Et bien ce sont les personnes qu'on va détecter comme étant des Covidés, voilà. Et donc on va avoir une nouvelle catégorie, le citoyen personne à risque, que lorsque
l'injection nationale et privée en partenariat public, eh bien, deviendra obligatoire, eh bien, on ira chercher dans ce fichier. Voilà, et donc ça, c'est extrêmement grave. Et donc, c'est la même chose que cette loi Avia, qui permettrait aux policiers de fermer n'importe quel site internet ou blog. Mais franchement, c'est pas plus grave que... Non. C'est pas plus grave que quand les profs mettent des zéros, mettent sur un bulletin scolaire pour aller le faire. C'est la même chose. Oui. C'est la même chose. C'est du même ordre. Non, oui, mais c'est du même ordre. Et donc, moi, je pense qu'on ne juge pas l'importance d'une chose à ses effets. On ne juge personne. Non, mais c'est pas question c'est de... De jugement. Moins donc, bien alors, pour en revenir à ça, justement, il y a deux semaines... Il y a deux semaines. Bien, tiens, Bruno, tu dis si c'est toi. Oui. Donc il y a deux semaines, on était le 4 juin 2020. Et donc, on a repris sur la place parisienne de la République, hein, on a repris nos présences. Et mais pendant deux semaines, on n'avait pas d'autorisation du préfet. Parce qu'il s'était retranché derrière le fait que le Covid-19 empêchait que l'on puisse retrouver notre liberté d'expression et de circulation. Eh bien, heureusement, le Conseil d'État a jugé bon de rappeler à tous les préfets que, bien non, à partir du moment où les gens sont respectueux, ils respectent les distances de sécurité, ils respectent la loi, eh bien, ils sont tout à fait en droit à nouveau de manifester sur l'espace public. Mais il y a deux semaines, le 4 juin 2020, eh bien, quand on a repris nos rassemblements 1001 jeudi pour sauver Ali, Abdullah et Daoud, comme tous les jeudis, de 19h à 20h, sans aucune exception depuis octobre 2015, ça c'est très important de le rappeler, eh bien, toutes nos manifestations sont légalement déclarées en préfecture. Mais depuis la date du 11 mai 2020, date officielle de la phase 1 du déconfinement, nous n'avions aucun récépissé administratif préfectoral qui nous était délivré. Donc en fait, on est hors la loi ou pas là Aujourd'hui, nous sommes dans la loi. Dans la loi. Nous sommes revenus dans la loi grâce au Conseil d'État. Et donc la crise sanitaire du Covid-19 tenait lieu de justificatif unilatéral du choix politique de cette dangereuse tactique. Et c'est là où on voit tactique, parce qu'actuellement, il y a tactique électorale. On laisse certaines manifestations avoir lieu parce qu'il y a des élections le 28. Ce qui me laisse à penser que dès le 29, ça va se durcir. Mais on l'a bien vu avec cette infirmière de 50 ans, traînée par les cheveux par un policier, que le durcissement était déjà là. C'est-à-dire que ces gens pour... Mais même avant. Mais ces gens que l'on applaudissait... Les personnes blessées pendant les manifs. Mais ces gens que l'on applaudissait à 20h aux fenêtres, moi j'ai une infirmière qui a écrit quelque chose de formidable, parce qu'on a donné 15 milliards au groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, dont presque 1 milliard d'euros pour les aéronefs militaires, eh bien, il y a une infirmière qui avait marqué, mais non, il faut faire comme pour les gens de la santé. On va applaudir les industries aéronautiques et spatiales à 20h. Tous les soirs, on ouvre notre fenêtre et on applaudit le groupe EADS, le groupe Safran, et ça devrait le faire. Et comme ça, les 15 milliards, on va les donner eh bien, aux gens des hôpitaux et des services publics. Est-ce que c'est pas une bonne idée, ça? Parce qu'on parle de stratégie anarchiste. Eh bien, cette stratégie, elle consiste dans le partage. N'oublions pas que nos dernières émissions, elles s'intitulaient... C'est pour ça que ça serait bien de... Partage. Ça serait de supprimer les hôpitaux et les entreprises d'armement. C'est pour ça que je pense que ça serait plus efficace de supprimer les hôpitaux et les usines d'armement, on ferme tout. Et l'hôpital et les usines d'armement, comme ça, c'est un vrai partage. Voilà. Parce qu'en fait, c'est ça qui est idiot. Pourquoi on dit que c'est injuste? Parce qu'on dit on donne tant aux usines d'armement. Et après, on dit on donne tant aux hôpitaux. Et la solution, c'est de donner à personne. C'est idiot, cette histoire de riches et de pauvres. Il suffirait qu'il n'y ait que des pauvres, il n'y aurait plus de problème. Donc l'hôpital, c'est qu'il n'y ait que des riches. Oui, que des riches. Et ça serait... S'il n'y a que des riches, il n'y a plus de pauvres, et ceux qui étaient riches au départ, ils s'emmerderaient. Voilà. Donc je pense que la solution, en fait, c'est de fermer tous les hôpitaux. Ça, il y a moins de malades. Il y a moins de malades. Et on ferme aussi les usines d'armement. Il n'y a plus cette compétition entre la mort et la vie. Après, les élections, je ne sais pas, mais... Je ne sais pas pourquoi on parle tout le temps de ça. Quoi.
Alors justement, ce dont on parle et ce dont on ne parle pas, c'est très intéressant parce qu'on arrive au fond du problème. La crise sanitaire, elle est opportune parce qu'elle a permis d'oublier tactiquement le 4 juin 1989. Et le 4 juin 1989, c'est le jour où il ne s'est strictement rien passé en dictature impopulaire de Chine sur la place de la paix céleste. Et oui, Tiananmen, ça veut dire en chinois paix céleste. Et il y a eu massacre des étudiants d'un mouvement de plusieurs mois non violent qui réclamait simplement des droits de l'homme pour les Chinois. Et ces gens-là ont été. On a terminé ce mouvement dans un bain de sang. Et qu'aujourd'hui, dans un pays qui se dit pays des droits de l'homme, on passe le 4 juin 2020 avec seulement 6 Chinois sur la place de la République, pour moi c'est un vrai symbole des choix éditoriaux de l'entreprise de France. Entreprise de France. Je dis bien les choses telles qu'elles sont. Tiens, passe-moi le petit panneau, s'il te plaît, Pierre. Donc, pour en revenir, vous voyez, les insectes avec nous. Et effectivement, ce partage, il est spéciste. C'est-à-dire que moi, j'en ai rien à foutre, je ne suis pas plus chinois que je suis français, mais j'estime que le partage ou le carnage, c'est pour tout ce qui est vivant, ça ne concerne pas l'espèce humaine. Le partage doit être interespèce, sinon on va arriver à un carnage qui lui va être effectivement interespèce. Et ce carnage, il est déjà commencé pour énormément d'espèces, et notamment les cétacés, parce que les conséquences de Fukushima pour les baleines bleues et pour tous les cétacés sont terribles, et aussi pour beaucoup d'autres vertébrés marins. Donc on est aujourd'hui dans une période clé, et ce néo-féodalisme français, industriel, militaire et médiatique, il est la liberticide ombre chinoise de notre actuelle vassalité politico-financière. Donc il faut resituer les choses, non pas que je veuille dire qu'il y a un monstre chinois ou un dragon chinois qui a mis la main sur le monde, parce que les premières victimes du régime chinois, ce sont les Chinois. Sinon pourquoi j'aurais parlé de la place Tiananmen ? Les Chinois ont été les premiers à subir, et sont les premiers, ils sont en première ligne, parce qu'ils combattent une nouvelle forme de dictature qui est peut-être la pire que la Terre ait jamais connue, parce que cette dictature, elle se donne pour but le bonheur. Et le bonheur, c'est l'enfant unique. Le bonheur, c'est de ne plus penser par toi-même, c'est d'avoir des technocrates qui décident de tout pour toi. Et toi, à partir de là, eh bien, en fonction de ton crédit social, tu vas devenir ou non un être à problème. Voilà. Et en fin de compte, ce que va faire Microsoft, eh bien, c'est purement dans la lignée chinoise. Ce qu'a fait Google, il ne faut pas oublier quand même que l'entreprise Google a donné les adresses IP des principaux opposants chinois, et ils ont été tués, beaucoup d'opposants chinois. Yahoo aussi. Voilà, exactement. Donc il faut bien voir que ce n'est pas la République impopulaire de Chine que je dénonce, c'est tout un système commercial qui arrive et qui n'aboutit qu'à une chose, à une dictature mondialisée. Alors, est-ce pour des raisons sanitaires que le massacre des étudiants chinois du mouvement du 4 mai doit passer aux oubliettes médiatiques nationales ? Mais qu'elle soit nationale, populaire, interpopulaire ou internationale, la réalité elle est là, c'est passé aux oubliettes. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est comment une chose extrêmement importante qui est le massacre d'un mouvement étudiant peut passer aux oubliettes. Voilà. Peut passer aux oubliettes, ça c'est très grave. Donc, parce que les étudiants. Non, ça, c'est clair, les étudiants, c'est forcément des élites de classe. Les étudiants, c'est des. C'est les gens qui pensent. Voilà, c'est exact. Des étudiants, c'est des fils d'ouvriers qui sont des ouvriers, donc c'est des élites de classe. Qui va soutenir les élites de classe ? Ceux qui sont pour le pouvoir vont pas soutenir les étudiants, puisqu'ils sont pour le pouvoir. Et ceux qui ne sont pas le pouvoir, ils ne vont pas soutenir des gens qui, de toute façon, seront entrés par le pouvoir. Donc c'est une tactique. Voilà, c'est donc, une tactique. Il faut non seulement fermer les fasses, les hôpitaux et aussi les fasses. Mais il ne faut pas, d'ailleurs, tirer même plus loin.
aucun massacre doit être oublié. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Aucun massacre. Tout à fait. Pas seulement ce qui s'est passé en Chine, mais ce qui se passe ailleurs. Parce que maintenant, il y a toujours des massacres. C'est pour ça que j'ai parlé des cétacés. C'est-à-dire que je ne me limite pas dans ce massacre. Et dans des massacres qu'on ne connaît pas. Oui, et je ne me limite pas dans ces massacres et ces carnages uniquement à l'espèce humaine, qui, rappelons-nous, est une espèce sur 1,8 million d'autres espèces terrestres. Donc, le vendredi 12 juin 2020, que s'est-il passé? Eh bien, les pacifistes onusiens, pour l'entretien nobilisable du criminel mythe Atom for Peace, accompagnent médiatiquement le criminel mensonge préfectoral d'un incendie dans une installation nucléaire sans aucune conséquence environnementale. Alors, le terrorisme thermonucléaire d'État nous met toutes et tous en danger de mort permanent et soumet tous les territoires auxquels nous appartenons, et pas uniquement la préfecture du Var, au chantage écologique abominable et inacceptable d'une contamination nucléaire durable et préméditée. Si les sous-marins nucléaires d'attaque, les antennes 5G et les cathédrales sont soumises au baptême par le feu, que va-t-il rester de laïque sur les cendres de la République à venir? Voilà, aujourd'hui, on doit s'interroger sur des informations, le massacre de la place NML, et là, eh bien, effectivement, dans une darse à Toulon, un sous-marin nucléaire d'attaque qui brûle, et on a un préfet qui ose dire, même si le réacteur est téléchargé, on sait très bien que toute installation nucléaire qui subit le feu obligatoirement rejette des particules radioactives. Et donc que les médias et que les gens censés soi-disant représenter les antinucléaires puissent accréditer ce storytelling du bout des lèvres, et mais ça va plus loin, c'est qu'on nous explique que c'est une catastrophe pour l'armée française. Mais non, non, non. Ce qui est une catastrophe pour l'armée française, ce sont tous les SNLE et tous les sous-marins nucléaires, et c'est aussi le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle. C'est, ça, ce sont des catastrophes totales, et ce sont des défaites totales. Et contrairement à la ligne Maginot qui nous a coûté la peau des fesses et qui nous a protégés de rien, eh bien ça nous coûte la peau des fesses, ça ne nous protège de rien, parce qu'il ne faudra jamais oublier que les États-Unis d'Amérique sont le pays au monde qui possède le plus d'armes thermonucléaires, et que le 11 septembre 2001, je ne vois pas en quoi ils ont été protégés. Donc, aujourd'hui, les armes thermonucléaires sont exactement ce qu'elles sont. C'est-à-dire, ce sont des armes de chantage contre les peuples. Voilà. Et les 5 membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, eh bien, sont des terroristes thermonucléaires. Voilà, vu qu'il n'y a de terrorisme que de terrorisme d'État. Donc, dans notre retour en live, dans la chose encore publique, parce que c'est vrai, on est encore dans la chose encore publique. Petit à petit, les morceaux disparaissent. On voit, il y a des pubs de co dans tous les abris d'autobus, et de co, il nous explique ce que l'on doit faire contre la pandémie de Covid. Et de co, il déploie les small cells, les antennes 5G cachées dans tous ces abribus et dans tout ce mobilier urbain. Et voilà comment Decaux agit pour notre santé et la santé des citoyens et la santé de la démocratie. Donc c'est bien quand même de le souligner. Alors, l'article L56 du Code électoral prévoit qu'en cas de deuxième tour de scrutin, il y ait procédé le dimanche suivant le premier tour. Et l'article L227 laisse plutôt penser que l'élection est un bloc unique, car les conseillers municipaux sont élus pour 6 ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars, à une date fixée au moins 3 mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret convoque en outre les électeurs. Alors, qu'est-ce que les décideurs, alias les sachants, ont prévu entre maintenant et septembre 2020, pour qu'ils n'y reportent pas légalement les deux tours de leur illégale mascarade municipale par scrutin de liste de mars 2020 et juin 2020. Ça, c'est vrai, c'était une voilà, mascarade. Donc ça c'est une bonne question. Oui, mais pourquoi cette mascarade? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils continuent à... Alors qu'ils ont fermé les cafés. Ils ont fermé les cafés. Ils ont
fermer les manifestations culturelles. Par contre, ils ont obligé les gens à aller voter. Et je me souviens, dans mon quartier, il y a eu 62% d'abstention. 62%, c'était énorme. Mais oui, le maintien des élections. L'abstention est énorme, tout simplement, parce que les gens sont allés au parc. Tout simplement parce que, contrairement à ce que claironne tous les gens qui font partie des états-majors syndicaux ou politiques, les Français ne sont pas des cons. On les fait passer pour des cons. Mais bien sûr, voilà. Mais c'est le plus important, c'est que ces gens-là se permettent, par médias interposés, de traiter les Français comme étant des cons, ce qu'ils ont fait d'ailleurs le 29 mai 2005, quand, par référendum d'initiative présidentielle, une majorité de Français a dit « nous ne voulons pas de cette gouvernance de l'Union européenne ». Gouvernance de l'Union européenne qui fait que, eh bien, on a des taux avec des écarts de 10 points sur la morbidité d'un seul et même virus à travers l'Europe. Donc on doit réellement se poser cette question. Et donc le 13 mai 2020, la loi Avia est adoptée. La censure militaro-policière devient légale sans passer par la case du procès équitable. Mais attends, on fait passer le procès pour des coups, mais on peut aller même plus loin, on les infantilise. Alors cette infantilisation, effectivement, c'est comme la pub homo. Qui lave plus blanc que blanc. Oui, cette déculturation et cette infantilisation, elle est médiatique, mais justement, de plus en plus, elle est rejetée. Et ce rejet, justement, de l'élection en tant que représentation même de la dictature constitutionnelle qu'est la République, eh bien, c'est la reconnaissance, justement, de ce qu'est réellement la démocratie qui ne peut être que locale. Donc, il s'agit de combattre efficacement la stratégie de tous les terroristes intellectuels qui consiste à mettre en lumière de manière non violente et argumentée sur Internet le caractère antidémocratique des institutions nationales et internationales, publiques et privées. Voilà pourquoi il y a une loi Avia, c'est que nous sommes les terroristes intellectuels. Et il y a aussi un problème, c'est que quand tu vois dans n'importe quel foyer, tu vois la télévision allumée, souviens-toi pendant le confinement. Moi, j'ai eu des problèmes moi-même parce que je voyais la télévision allumée et ça me rendait dingue. Quand on le voit tous, BFM TV et tout ça. Pourquoi tu as une télévision? Moi, je n'ai pas de télévision. Mais c'est ma femme qui a la télévision. Comme je ne suis pas tout seul, je n'avais pas l'éteindre. C'est la télévision. Mais pourquoi tu as une femme aussi? Pourquoi j'ai une femme et d'ailleurs, pourquoi je me suis marié à l'église? C'est vrai, ça, c'est une bonne question. Tu t'es marié à l'église? Oui, je suis tellement contradictoire que pour faire plaisir. Mais Roger était aussi. Oui, Roger, bien sûr. Il était en esprit, Roger. Roger, souviens-toi. C'est même toi qui a distribué les bagues. Souviens-toi, ce soir-là, il pleuvait sur Brest. Il pleuvait sur Brest, et donc j'invite grandement toutes les personnes à aller sur Change.org pour signer la pétition pour le retrait de la loi Avia. Parce qu'il faut rester mobilisé contre tout ce qui est fait pour essayer de nous retirer notre liberté d'expression. Donc, on doit aussi exiger la libération immédiate et inconditionnelle de Julian Assange de la prison de haute sécurité de Belmarsh au Royaume-Uni. C'est dénoncer des crimes contre l'humanité perpétré par des militaires américains sur des journalistes est un crime. Alors, à quelle tactique électorale dois-je le faire d'être encore en liberté? Exigeons un statut protecteur de réfugiés politiques pour Julian Assange et Chelsea Manning. Et donc, je le dis très clairement, c'est une exigence. Nous exigeons, nous, à Radio Radar, immédiatement du gouvernement français, qu'il accorde un statut protecteur de réfugiés politiques à Julian Assange et à Chelsea Manning. Maintenant, tout de suite, c'est une exigence. Alors, qui nous impose la force brutale, l'arbitraire du non-droit, la terreur populaire? Voilà ma question. Qui nous impose ça? Voilà, actuellement, tout est médiatiquement fait pour provoquer des situations injustes, donc potentiellement violentes, et trouver ainsi prétexte au renforcement statutaire
réglementaire, bureaucratique, législatif et exécutif, des totalitarismes militarisés intrinsèques à tous les États-nations. Comment quitter définitivement ces mortelles impasses médiatiques et électorales entretenues qui nous conditionnent à accepter comme réelle l'illusoire promesse de pouvoir changer un système irréformable en y participant de manière consultative? Comment quitter définitivement le troupeau impuissant de la lutte permanente des bas des fronts sociaux et nationaux? Voilà une question. Et bien je dis un, ne rien faire. Ne rien faire, l'inaction est salutaire, voire vitale, quand la mortelle agitation guerrière devient la norme imposée. Deux, faire demi-tour reste la seule solution pour quitter une impasse. Voilà, quelle non-direction choisir? Voilà, quelle non-direction choisir? Non-direction, non-appartenance, non-affiliation, non-alignement. Et là, je pense à mon ami Georges Krasowski, qui avait, sur ce point de vue, développé une idée extrêmement intéressante, la non-appartenance. Et donc, moi, je dis quitter tous les états-majors, quitter toutes les chapelles, quitter tout ce qui est groupe, réservoir d'idées. Réellement, le danger, il est là. On veut substituer aux oligarchies actuelles de nouvelles oligarchies. Et le problème, ce sont les oligarchies. Ce sont les oligarques. Et il n'y a pas justement, on a une réaction très intéressante de Bruno qui nous dit que certains politiques vivent, font de la politique pour vivre sur la sueur des autres. Je suis désolé de dire ça, mais je suis en train de penser ça. C'est pour ça que en ce moment, parfois, je deviens agressif avec des gens qui me distribuent les tracts de tel ou tel candidat. Mais c'est plus l'agressivité, c'est ça. Mais il y a quelques jours, j'ai failli me battre avec elle. Il faut résister. Et après, la personne a compris que je n'allais pas bien. Et alors, on s'est réconcilié, mais bon. Tu sais, Bruno, la violence, c'est quelque chose de naturel. La violence, c'est quelque chose de naturel, et je dirais même, c'est quelque chose de sain. Et la non-violence, c'est quelque chose de surnaturel. On devient non-violent. Le problème, c'est que je deviens malsain. Mais c'est le système, actuellement, on pousse les gens à la violence. Tout est fait pour que les gens deviennent violents. Il faut cliver. C'est-à-dire qu'il faut tuer Zemmour, il faut tuer. C'est-à-dire que c'est vraiment. On n'est plus du tout. Qui veut la peau de Roger Nimot. C'est exactement ce que dit le préfet de Paris. Choisis ton camp. C'est-à-dire ce sont des turiféraires. Voilà. Ce sont des turiféraires, effectivement. Le nazisme, qu'est-ce que c'était que le nazisme? Essentiellement, le nazisme, l'idée de base du nazisme, c'est que hors du groupe, l'individu n'existe pas. Et n'oublions jamais que le Parti National Socialiste, ce sont des voyous. Le Parti National Socialiste, il accède au pouvoir par un processus électoral le 5 mars 1933 avec 43,91% des suffrages pour le Parti National Socialiste. Ce sera le dernier scrutin libre en Allemagne avant les élections fédérales allemandes du 14 août 1949. La tactique électorale nazie était au service d'une stratégie militaro-industrielle intrinsèquement antidémocratique et raciste pour auto-justifier l'emploi d'une main-d'œuvre gratuite par les industriels, ce qui fut un crime contre la nature et donc un crime contre l'humanité. Combien d'industriels sur les bancs des accusés des procès de Nuremberg et de Tokyo? Voilà la vraie question. C'est-à-dire que celui qui dit que c'est le nazi qui a tué un juif, c'est un connard. Ce qui s'est passé, c'est que des industriels ont financé des psychopathes pour tuer une population que l'on voulait réduire en esclavage. Roger, et c'est là où je dis que, par exemple, je connais les nationalistes honnêtes, mais le problème, ce que je conteste en eux, c'est qu'ils finissent justement par appuyer des gens qui sont néfastes. Les nationalistes sont néfastes. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais il y en a qui m'ont dit que l'Ayatollah Khomeini ne tuait pas par fanatisme, mais pas par méchanceté. Quelle est la différence? Il y a des morts, il y a plus de morts même.
toute personne qui appelle au meurtre d'une manière ou d'une autre, cette personne est obligatoirement un extrémiste à fenêtre. Alors, si c'est un idéal, je suis donc... Et quelqu'un de dangereux. Donc, depuis justement la fin de la Seconde Guerre mondiale, les héritages militaro-industrieux de l'Allemagne nazie et de son allié impérial nippon ont été récupérés et adaptés par deux grandes puissances militaro-industrielles suzeraines et par leurs vassaux respectifs, par une surexploitation nationale et internationale des ressources humaines et naturelles de la planète Terre, et une conquête nationaliste et internationaliste, publique et privée du système solaire. Cette tactique d'accaparement privé de l'espace circumterrestre pose d'ailleurs plus de problèmes qu'il n'apporte de solutions, voire la constellation Starlink de la société privée SpaceX, dont on a parlé sur une précédente émission. Avec le coup d'État bolivien de novembre 2019, la stratégie industrielle du milliardaire américain Elon Musk quitte définitivement la rubrique people technophile et rejoint celle politique et sectaire de tous les adorateurs du saint nazi Werner von Braun, 1912-1977, et autres scientologues stars du cinéma spatial à venir, alias Tom Cruise. Une tactique s'inscrit toujours dans le court terme. Tactique, c'est court terme. Et donc, stratégie, elle est faite de tactiques, mais de tactiques qui se modulent. Parce que la stratégie, elle est dans le moyen et dans le long terme. Donc, tactique électorale, c'est du court terme. Et pourquoi le discours qui s'adapte justement au fait d'avoir de l'audience, parce qu'une élection, c'est avoir le maximum d'électeurs, eh bien, tous ces discours sont adaptés pour le consensus et donc sont des discours mensongers. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui dirait qu'on va devoir tout partager, le revenu, le travail et ses revenus, eh bien cette personne devra dire aussi qu'on va devoir s'adapter à un mode de vie totalement différent de celui que nous avons aujourd'hui. Et c'est ça la réalité. C'est ce dont ne veulent pas les gens qui disent c'est reparti pour les profits, c'est reparti pour les riches de plus en plus riches, pour les pauvres de plus en plus pauvres. Et nous on dit non, on ne veut pas de ce retour à la normale. L'apostrophe est anormale. Et donc voilà, la tactique est intrinsèquement spéculative. Si elle était vivante, elle serait simple comme un tropisme. Si elle était le temps qu'il fait, elle serait météo. Si elle était électronique, elle serait simple comme un algorithme. Une stratégie est la coordination d'ensemble de tactiques pour atteindre un ou des buts à moyen ou long terme. Elle est intrinsèquement adaptative. Si elle était vivante, elle serait complexe comme un génome. Si elle était le temps qu'il fait, elle serait climat. Si elle était électronique, elle serait un processeur quantique. Et donc on voit bien que c'est une différence de nature qu'il y a entre une tactique et une stratégie. Et la stratégie anarchiste, la stratégie de l'insubordination non violente active, au-delà de la non-violence, eh bien pourquoi c'est une philosophie? C'est un positionnement sur le moyen et le long terme, parce que ne peut être viable que ce qui est non-violent. Et toutes les tactiques extrêmement dites consensuelles sont des tactiques violentes, parce que dans le court terme, elles vont obligatoirement adapter un discours pour que les gens continuent dans une impasse. Voilà. Donc une stratégie... Bonsoir Nina, on a Nina qui arrive. Donc une stratégie est modulable par rétroaction avec les contextes dans lesquels elle se fait, qui sont par nature stochastiques, imprédictibles, comme le sont tous les phénomènes naturels complexes. Aujourd'hui, nous croulons sous les experts tacticiens, mais qu'est-ce qu'un expert si ce n'est un spécialiste, donc une personne intrinsèquement déséquilibrée? L'expert porte un regard méprisant sur tous les néophytes, les amateurs. Pourtant, c'est lui qui souffre d'une cécité intellectuelle liée à son hyperspécialisation. L'expert est totalement incapable d'avoir une vision globale de toutes les situations complexes et pluridisciplinaires. Ouais, le prophète aussi. Les experts... Le prophète a ce point en commun comme expert
le prophète n'est pas capable d'avoir une vision pluridisciplinaire. Mais le prophète n'a aucune vision. Ah si, c'est un expert. Non. Un expert en prophétie. Non, tu n'es pas. Il a une solution. Voilà, la situation, tous ceux qui viendront vers moi et qui me donneront le fric de l'appartement seront de mon côté. Ce sont les faux prophètes. Non, c'est les vrais. Un vrai prophète ne sait pas ce qu'il prophétise. C'est-à-dire, un vrai prophète a des visions. Justement, un vrai prophète. Par exemple, Roger Normand est un vrai prophète. Mais ce qu'il voit ou ce qu'il entend, il ne le comprend pas. Et souvent, il lui faut plusieurs années avant d'avoir un aperçu de ce que lui-même a prophétisé. Donc tu soutiens que Roger Nimot ne se comprend pas. Personne ne peut prophétiser. Il n'y aurait qu'un être qui serait capable d'être... Donc Macron est un prophète, il ne comprend pas ce qu'il dit. Il n'a aucune vision. Mais il est en contradiction avec lui. C'est encore pire que ça. Moi, j'ai pleuré l'autre soir, j'ai pleuré profondément parce que j'ai lu ce livre un petit peu négligé, traduit par ma copine, très bonne amie Françoise Bouillot, et de Hannah Arendt qui s'appelle La Révolution qui vient. Alors là, c'est hautement perturbant. J'étais perturbée à lire ces qualifications, pas ces qualifications de Platon, de la tyrannie, de la despotie Et tu sais ce que c'est Tu sais ce que c'est qu'une révolution? C'est 360 degrés, c'est un tour complet. Quand tu es dans une impasse, si tu fais la révolution, eh ben tu te retrouves dans l'impasse. C'est important. J'ai trouvé comment nous vivons ici et ailleurs, peut-être avec les autres, c'est la tyrannie. Oui, mais la révolution est une autre forme de tyrannie. Parce que toute révolution met en place de nouvelles oligarchies. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la révolution est impasse. Et si on ne comprend pas que la révolution est impasse, eh bien, on se prépare à engager les gens dans une nouvelle impasse. Et toutes les impasses, elles démarrent souvent de manière assez sanglante. Et moi, comme je suis plutôt quelqu'un de non-violent, j'ai franchement pas envie de dire aux gens « armez vos cœurs, armez vos bras et préparez-vous à égorger votre voisin » parce que c'est justement ce pourquoi les systèmes dominants nous préparent. Oui. Non, mais le problème, par exemple, quand elle cite qui sont les qualifications ou les points de la tyrannie, la première chose que le tyran fait, c'est enfermer les gens, chacun à son domicile, foyer, et... Chacun son corps. Oui, interdire agora. C'est-à-dire ça. L'échange. C'est comme la permaculture. C'est empêcher les hérissons. Comment ça? Alors c'est faux, la permaculture. Non, les hérissons ne peuvent pas parler aux humains. Les hérissons sont enfermés dans cette étang. Et comment ça s'appelle la limace dans son absence d'avancée? C'est le principe de la permaculture. Tu vois, tu empêches les hérissons d'entrer la limace, pour entrer le chat, la carpe. Donc la permaculture, c'est vraiment un truc pour enfermer les animaux dans une sphère. Et jouir du ça s'appelle le jardin zoologique. Voilà. Oui, mais c'est pas la permaculture. La permaculture, c'est associer des plantes. Oui. C'est-à-dire, par exemple, tu as des légumineuses qui vont fixer l'azote avec des plantes qui sont très gourmandes, comme par exemple des potirons. Et si tu associes bien tes plantes, eh bien chacune va apporter. Parce que dans la nature, le déchet n'existe pas. L'homme, ce qui caractérise l'homme, c'est-à-dire justement à l'époque des grands philosophes grecs, j'aurais aimé vivre à cette époque-là. Parce qu'ils avaient plumé un poulet, ils avaient dit « le voilà votre homme », parce qu'on avait dit que c'était un être nu qui marche sur deux pattes. Eh bien, l'homme, tu sais ce que c'est? L'homme est l'animal qui a inventé le déchet. Dans la nature, le déchet n'existe pas. Et l'animal qui a inventé le déchet, c'est l'homme. Et on reconnaît l'animal dénaturé au fait qu'il a créé le déchet. Et l'homme, je l'appelle homo detritus. Mais c'est peut-être pas mal le déchet. Non, le déchet, la notion de déchet, justement, c'est une notion philosophique, c'est une notion spirituelle. Normalement, mais on a créé le déchet dit ultime. Par exemple, des radionucléides artificiels sont des déchets ultimes, c'est-à-dire qu'ils ont parfois des durées de vie en centaines, en millions, ou en milliards d'années. Alors, ça favorise les cochons des punaises de vie. J'avais une question à te poser, excuse-moi. Tu parlais des prophètes. Oui. Non, c'est moi qui en parlais. Oui, c'est pas Roger. Et on en parlait tous les deux. Bon. Nous,
j'avais dit que toi tu étais un prophète. Je ne sais pas si c'est tu es un vrai prophète ou un faux prophète. Oui, parce qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Voilà. Et oui, j'ai jamais compris ce que je dis. Voilà. Et puis moi non plus, alors je veux être ton élève, un mauvais élève ou un bon élève, tu en jugeras par toi-même ou moi. C'est pareil, je comprends rien de ce qu'il dit. Non, je pense que tu es le contrôleur de la CAF. Je pense que tu es le contrôleur de la CAF. Oui. Alors moi, je vais te dire Curiferaire à cause de toi. Alors moi, je vais te dire une chose. Moi, je suis prophète et je vais même te dire quel prophète je suis. Je suis prophète de la musique. Et effectivement, actuellement, le parti pris d'un... Parce qu'il paraît qu'il y a un ministère de la culture dans le gouvernement du petit cron là, avec tous ces criminels ministres millionnaires. Et donc je tiens quand même à intervenir sur ce problème qui est aujourd'hui. Oui, et c'est le 21 juin la fête de la musique. Oui. Eh bien, sortez dans les rues et jouez de la musique. C'est-à-dire, il n'y a aucune raison d'être confiné pour cette fête de la musique. Et justement, ce que disait notre ami Nina Zivanchevic, et là je la rejoins à travers. Oui, tu le disais par rapport à ce livre. Donc, autant montrer le livre que les gens l'achètent et le lisent. Et moi, si tu me le passes, je le lirai. La réalité, c'est ça. C'est qu'on veut rompre tout dialogue. Et il y a eu un grand débat, et qui n'était pas débat, vu que c'était Emmanuel Macron qui faisait un grand monologue tout seul. Mais il n'est pas le seul. Mais pareil, les émissions radar, il y a des gens qui disent c'est Radio Roger Limaud. Ils n'ont pas tort. Sauf que moi, je dirais que je suis moins nuisible qu'Emmanuel Macron, parce que je n'en sais pas. Oui, parce que tu comprends pas ce que tu dis. Exactement. Et notamment, je n'ai jamais dit qu'il fallait vouloir du mal à Didier Lallement. Au contraire, j'ai dit que j'avais beaucoup de compassion à la fois pour Emmanuel Macron et pour Didier Lallement, et même pour le ministre de l'Intérieur, parce que si j'étais à leur place, mais je me sentirais tellement mal d'être comme eux. Donc c'est-à-dire que obligatoirement ma compassion elle est sincère et je dirais elle rapproche ce que disait Jésus. Conscient. Aime tes ennemis. Sont-ils conscients? Mais oui, c'est-à-dire que je ne peux pas leur dénier. Ils sont des êtres humains comme moi. Mais aime tes ennemis, il faudrait savoir ce que c'est que l'amour et ce que c'est que l'amitié. Alors, justement, qu'est-ce que l'amour ou l'amitié? Eh bien, on va y arriver parce que tout à l'heure, tu disais les prophètes sont des experts. Eh bien, moi, je suis désolé parce que le prophète, le véritable prophète, il porte jamais un regard méprisant sur l'autre. L'expert, tu le vois quand il est sur un plateau ou dans une conférence, l'expert t'extrase de son expertise. Et c'est pour ça que moi j'aime quand tu parles du nucléaire et quand tu parles des 3 ou 4 réacteurs de Fessenheim, parce que tu te fous de pourquoi Fessenheim c'est le nucléaire et tu te fous qu'il y en ait 2, 3 ou 4, qu'ils aient 30 ans ou 60 ans les réacteurs. L'idée étant que. Ça pourrait être en anglais, ça pourrait être en français. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct sur Radio Radar. Okay. Voilà. C'est Radio Prophète. Voilà. C'est le rap. Radio. Alors là, c'est le cahier de Bruno. Alors j'explique un petit peu. Bruno est ravi de parler. Bruno a un cahier et à chaque fois qu'il rencontre des gens, il leur demande d'écrire. Des femmes au chapeau. Alors quand il a la chance de rencontrer des jolies femmes avec des chapeaux, parce que jolie c'est sexiste. Ah oui. Parce que ça veut dire c'est pour ça qu'il y a des femmes laides, des femmes jolies. Donc c'est sexiste. Exactement. Voilà. On peut être non exempté. Ah oui. Les femmes barrières, c'est ça. Les femmes barrières. Une femme d'arrière. Justement, il faut leur dire bonjour avec le coude. Bon, alors je vais leur mettre un coup de coude. Donc, l'hyperspécialisation, c'est une cécité intellectuelle. Donc, je vais vous écrire un petit quelque chose, mais je vais pas rester très longtemps. Aujourd'hui, on a des experts en optimisation fiscale. Et donc, ils sont totalement inaptes à gérer des rapports économiques, sociaux, voire sanitaires. Et on s'en est aperçu, parce qu'il y a plus de 29 000 morts, il y a toujours zéro responsable. Il y a 29 000... Alors attends, je te dis, j'ai été regardé... 348. Alors, 29 578 ce soir sur le site Johns Hopkins University, mais d'après ce que j'ai lu, quand on aura fait les comptes a posteriori, donc d'ici quelques mois,
le chiffre devra être augmenté. Oui, surtout il y a ceux qui sont morts de rire. Exactement. Alors ceux qui sont morts de rire. Alors ceux, ben, il y en a un paquet. Exactement. Et puis, même dans le truc. Et puis en fin de compte, c'est un peu comme le suicide, la mort. La mort peut être multifactorielle. Et effectivement, ma petite maman, elle est morte d'un cancer généralisé, de vieillesse, et certainement aussi le Covid a dû l'aider un petit peu. Mais je m'en fous qu'elle soit comptée dans les morts ou pas. Donc Et en plus, t'as même pas pu aller. Ce qui est dur, c'est que t'as même pas pu aller. Oui, mais je suis pas seul. Il y a plein de gens, mais quand même. Mon meilleur ami à Londres, elle était débranchée de la thérapie pour un cancer qui était pour elle. Elle ne pouvait pas accéder au lit de l'hôpital. Donc elle est morte. Il y a eu des trucs qui pourraient être débranchés. Parce que c'est on avait pas la place. L'argent. Non, l'argent. La place, oui. Sauf pour les patients de Covid. Oui, mais tu sais, la place, c'est l'argent. Si on donne des moyens, eh ben des lits. Tu sais, un lit, ça a un coût. Et donc, les 15 milliards qui ont été donnés aux industriels de l'aéronautique spatiale. Non, mais je crois que même si on met un protège-matelas, c'est moins cher. Oui, si on met un protège-matelas, c'est moins cher. Alors, c'est pour ça que tous les experts en tactique électorale, ils représentent des dangers permanents pour l'expression locale des choix populaires, donc pour la démocratie réelle. Et c'est pour ça que l'élection, le boycott de l'élection, c'est pour régénérer la démocratie réelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est un désintérêt citoyen. Au contraire, c'est la seule attitude citoyenne à avoir aujourd'hui. On peut voter blanc aussi, non? Qu'est-ce que tu en penses? Tu fais ce que tu veux. Moi, je suis contre les états-majors, donc je ne vais pas donner un mot d'ordre. J'explique mon point de vue. J'explique pourquoi, pour moi, aujourd'hui, boycotter les processus électoraux, c'est une démarche citoyenne et démocratique. Et donc, maintenant, ça peut se débattre. Des gens peuvent venir m'apporter la contradiction. Je serai là pour leur répondre. Voilà pourquoi tous les états-majors adoptent de nuisibles tactiques similaires de croissance de leurs influences en ayant des différences cosmétiques uniquement sur les choix des moyens stratégiques indispensables à leur propagande respective. Pour tous les états-majors, l'idée doit s'adapter en permanence et si possible en temps réel à la dictature de l'audience, de l'audimat, de l'électorat. Voilà pourquoi les émissions Radar sont très contentes d'avoir peut-être ce soir que 10 auditeurs et en tout une centaine au bout de quelques mois. Même un. Au moins un, vu que c'est Marc effectivement est obligé de me suivre. De suivre. Je suis. De te subir. Voilà. Non, je suis. Les êtres sont sommés. Nous sommes sommés, nous, en tant qu'êtres vivants, à nous adapter aux dangereux et nuisibles systèmes militaro-industriels imposés et irréformables en belliqueuse concurrence permanente obligatoire. Mais ce soir, je te subis avec plaisir. Je souffre avec plaisir ce soir. Mais ton malaise, ça change. Tu sais pourquoi je souffre avec plaisir? Mais bien, regarde comme il est content. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu as réussi à me faire oublier certains connards que j'ai croisés cette semaine. Si tu as oublié le connard de virus, c'est déjà une bonne chose. Peut-être pas le virus, parce qu'on en parle de trop, mais j'ai réussi à évacuer certaines personnes. Ah bon, comment t'as fait? Ben, c'est lui qui m'a aidé à évacuer, hein, je ne sais pas. C'est lui le docteur. Il m'appelle docteur Nimo. Et donc il y a la mimothérapie. Et donc aujourd'hui, je le dis, comme dans la fameuse minute, choisis ta haine, noir, blanc, gros, maigre, homme, femme, hétérosexuel, homosexuel, riche, pauvre, capitaliste, anticapitaliste, choisis ta haine. Voilà à quoi conduisent à très court terme toutes les tactiques électorales, toutes les compétitions, l'impasse hiérarchique commerciale, belliciste, impérialiste et mortelle, des bons chefs contre les mauvais chefs, des Jeux Olympiques Paris 2024. Il n'y a plus de chefs. Il n'y a plus de chefs, c'est fini. Il n'y a que des tyrans. Il n'y a plus de chefs, c'est fini. Il n'y a plus de chefs. C'est quoi ce débat? Que des tyrans. Il y a des agents. Il y a des gens qui veulent, qui suivent l'opinion, le débat, tout ce que tu veux. C'est des communicants, mais le chef, c'est quand même autre chose. Le chef, c'est quelqu'un qui disait, je sais pas, aujourd'hui on fait ça, demain on fait ça, enfin qui avait un projet. C'était comme un papa. Voilà, il n'y a plus de chef, c'est fini les chefs, c'est fini. Il n'y a plus de chef. Il y a des chefs, mais avec des... Alors, je suis d'accord avec toi, il n'y a plus de projet.
Et effectivement, le projet ne peut pas être lié aux experts, parce qu'on le voit bien, l'expert a son esprit stérilisé par son hyperspécialisation. Donc une stratégie anarchiste viable, qu'est-ce qu'elle pourrait bien être? Eh bien, elle doit penser toutes les populations, humaines et non humaines, tous les territoires, terrestres et extraterrestres, dans la perspective décroissante et post-industrielle d'une harmonie naturelle retrouvée. Non, mais alors là, sur ce point-là, je m'opposerai avec la dernière... Ça, c'est Daël Buérisson qui te fait parler. Je m'opposerai avec la dernière de mes énergies. La limace. Que la Fédération anarchiste recrute des personnes extraterrestres. Voilà, la Fédération anarchiste française, elle est avec Fribourg et Kik, antisémite, donc Jean-Paul, le gouvernement comme consigne, voilà, en tant que chef, que la Fédération anarchiste s'abstienne de tout dialogue avec les extraterrestres. Voilà, ça, c'est une bonne émission. Alors, les états-majors, leurs slogans, leur propagande et leur mot d'ordre n'ont pas droit de citer dans ce désordre naturel restauré. Une stratégie du respect doit promouvoir un retour aux états naturels primaires. Elle doit restreindre, sans contraindre, les populations humaines et les domaines de leur activité pour réduire les mortels impacts surnaturels de toutes nos invasions militaires et industrielles. Il n'y a jamais eu d'état naturel. Il n'y a jamais eu d'état naturel. Ils disent même qu'il n'y a peut-être pas de Big Bang. Ils disent même qu'on est peut-être dans un trou noir. Ils disent même qu'il n'y a pas eu de Big Bang, qu'il n'y a pas eu de début, il n'y a pas de... Les experts. Il n'y a pas d'état naturel. Mais depuis quand tu écoutes les experts? Alors à toi, Pierre. C'est lui l'expert. Non, j'écoute vaguement des trucs sur YouTube. Ah, ben voilà. Un petit peu le RLR, parce que ce sont des grandes choses qui se mettent à faire. Bien sûr. Après, ils foutent le bordel partout où ils sont. Et entre le RLR et je vois bien que des gens disent qu'il n'y a pas d'état naturel. Parce que... Il y a ni fin ni début, c'est ça qui est passionnant. Le chef se distingue parce qu'il est différent des autres. Si tu vois partout des chefs, c'est qu'un chef. Non. Tu n'as pas regardé un grand film qui est... Ça s'appelle Matrix, qui est comme une métaphore par rapport à toutes les choses. Il y a le chef multiplié, Mr. Smith. Mr. Smith, c'est un chef qui se multiplie. Il y a beaucoup de Mr. Smith, beaucoup de virus. Il y aurait des clones. Il y a des clowns et tout ça, mais en tout cas, je vois tous les dirigeants en ce moment, en tant que Trump ou Macaroni ou Vucic en Serbie, qui a été annoncé, parce que c'est un petit pays, elle a été annoncée, prononcée comme une dictature, avec Brésil et tout ça. Mais il ne faut pas oublier qui est le meilleur ami de Vucic, c'est Macron. Ils sont les meilleurs amis. Je dis ça parce que ici Macron ne parle pas serbe, mais quand même l'année dernière il est allé en Serbie et il a livré un speech en serbe. Il avait appris à dire. Phonétiquement. Oui, et donc ça tente très bien avec lui. Ils sont comme les meilleurs amis. Comme mais ça. Tu sais qu'il y a un politique algérien qui a été tellement construit par le peuple, il s'est réfugié. Et il a obtenu le statut de réfugié politique par Emmanuel Macron. Donc on voit bien que les... Il les... y a même, un dirigeant de l'ouvrière, c'est assez intéressant. En fait, il est mort, mais il a continué à trouver des commissions officielles dans l'organisation de l'ouvrière. Ah, mais il n'était pas corse? Non. Parce que d'habitude, les Corses, ils votent même quand ils sont morts. Il a continué à écrire des années. Oui, mais c'est vrai. Des directives de la fin de l'année. Voilà, c'est comme au Paraguay. C'est pas l'académie qui est bourgeoise. Alors, attends, c'est comme au Paraguay. Au Paraguay, ils faisaient voter des morts. Ils allaient dans les cimetières, ils prenaient les noms. Voilà, c'est comme ça que Stroessner a gouverné pendant si longtemps. Ah oui, prenez des morts. Alors moi j'aimerais bien faire voter ma mère morte, parce que la mère morte, on va tomber sur les manuscrits de la mère morte. Voilà, alors, on va aborder un sujet. Les droits de l'ours et de la baleine bleue.
ne doivent pas être différents. Parce que franchement, j'ai pas envie d'adhérer à l'UJP, machin. Voilà. Les droits des autres et des baleines bleues ne doivent pas être différents des nôtres, car cette différence nous conduirait de nouveau dans l'impasse mortelle de la discrimination, dans le spécisme qui est au racisme ce que les différences phénotypiques, économiques et culturelles humaines sont aux différents génotypiques entre espèces. Oui, si je peux ajouter, je suis tout à fait d'accord. Pour ça, j'ai produit ces masques qui m'a fait beaucoup de mal. Je dis que c'était fort que j'ai vécu des compliments, j'ai vécu très mal. Et ça me rappelait un affront qui a vraiment l'obligation de déposer cette insigne en artiste. Et pour ça, j'ai formé un masque pour ça. Oui, et exactement. Et tu sais que là, tu n'es pas loin de la rouelle, parce que la rouelle était un rond jaune. Que l'on mettait au moment de la 7e croisade, au moment de Saint-Louis, quand Saint-Louis était roi de France, eh bien les Juifs étaient sommés de porter la rouelle, et donc c'est une marque. Exactement. Non, c'était tout simplement l'exclusion, le racisme, parce que le racisme n'est que l'expression politique d'une xénophobie. C'est-à-dire que dans la nature, le rejet de l'autre existe naturellement comme la violence, mais sauf que dans la nature, il s'agit là de survie, il ne s'agit pas de l'expression politique de destruction systématique et d'asservissement. Mais quand même le coq, moi j'aime pas la campagne, mais quand même le coq, il a un côté chef, sportif, il veut quand même gérer les poules. On ne peut pas dire que le coq, ça ne soit pas... C'est lui qui se tape les poules. Il n'est pas dans un processus démocratique anarchisant. Quand tu dis que l'état naturel, il ne s'agit pas d'un salon, moi je crois que le coq, j'ai des preuves, il est quand même là pour gérer les poules. Et je ne parlerai pas des fachos hérissons, c'est même pas la peine de parler. Les hérissons, c'est vraiment... Par contre, j'ai vraiment, j'ai une grande surprise que mes amis américaines ont trouvé mon masque comme un insulte. Oui. Moi, ça me fait penser à un tournesol, un girasol, tu sais. Oui. Moi, il ne me fait pas penser à une étoile de David, il me fait penser à un tournesol. Effectivement, tu vois, c'était dessiné comme ça, mais il pense que c'est un insulte. Non, je ne vois pas ça comme ça. Et tu es bien américain. Oui, mais c'est pareil. Je suis né dans une colonie. Il est américain. Il est américain. Mais je ne me sens pas américain. Je ne me sens pas américain. Il y a quelques années. Voilà. Et je ne me sens pas américain, je suis, dans ce cas-là, un hispanique. Ah. Oui. C'est comme ça que je me considère. Mais les Hispaniques, ils sont américains, puis colonnes. Oui, bien sûr. Mais je me considère du continent américain. En fait, on est tous américains. Voilà. Là, je suis d'accord. Mais quand j'étais petit, t'étais moins grand. Maman, ici en France, disait que j'étais né aux États-Unis parce que. Disait pas où j'étais né parce que les gens ne comprenaient pas. Alors le problème, c'est qu'ils me prenaient pour un anglo-américain. Ouais. Et bien sûr, j'avais eu quelques cours d'anglais à 5 ans jusqu'à 8 ans, mais ça ne me faisait pas un anglicisme. Il y avait des gens qui commençaient à dire « Ah ouais, tu parles anglais, tout ça. » Enfin, je connaissais quelques phrases, mais je voulais qu'on cesse avec cet amalgame. Mais de toute façon, tous les systèmes qui discriminent sont intrinsèquement racistes, et il s'agit justement de mettre chacun dans une case. C'est-à-dire que moi, quand j'entends Besancenot parler d'Amérique latine, ça m'ulcère parce que je connais l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, mais cette connotation Amérique latine, c'est déjà de considérer que l'Amérique du Sud est latine, alors que l'Amérique du Sud, comme l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord, est américaine, c'est-à-dire elle est amérindienne, c'est-à-dire elle est sur des civilisations qu'on a fait disparaître, dont il ne reste aujourd'hui moins de, je crois, de 5% au niveau de la population, des cultures et des langues. Il reste beaucoup d'assistantes sociales. Il y a beaucoup d'anciens amérindiens. Oui, c'est les affaires indiennes. Ils sont convaincus dans le ministère des affaires indiennes. Voilà, oui.
Ce qu'a combattu Geronimo. Voilà, c'est un peu différent. C'est le remplacement, comme dirait Alain. C'est le grand remplacement. C'est le grand remplacement par l'administration. Ouais. Si on peut ajouter, je vais dire quelque chose très simple. C'était une culture, civilisation supérieure, moi, supérieure. Mais non, ce que je vais dire, que si tu montes les pyramides de Chichen Itza, à Cancun, Chichen Itza, c'est les Incas, on vient, au sommet, quand tu dis quelque chose, ça résonne comme tu avais un millier d'amplificateurs. Les enceintes. C'est-à-dire qu'ils sont, sont possédés cette culture de son. Les choses techniques que nous commençons à découvrir ici dans le 20e siècle. Oui, et aussi, et nous pensons que ce sont les extraterrestres, les autres civilisations qui ont inventé la culture comme ça. Parce que c'est incroyable qu'un architecte peut construire une pyramide ou quand il dit, comme je disais, ça va... Alors, non, je vais... Parce que je voulais rajouter quelque chose. Alors, on parlait de ma nationalité américaine, de ma naissance dans le continent américain. Aussi, selon certains membres de ma famille paternelle, il y en a même qui m'appelaient François. Mais d'une façon péjorative. C'est vrai qu'au début, je n'aimais pas. Mais après, j'ai plus fait attention. Mais il m'appelait François, parce que c'est le nom que porte beaucoup de Français. Ah, c'est François, peut-être. Ouais, voilà. C'est ça, François. Et alors, il disait François. Ouais. Et j'ai un copain aussi, qui avait les mêmes origines que moi, qui a subi ça aussi. On l'appelait comme ça. Et alors que nous ne nous appelions pas comme ça, mais lui aussi, il a dû subir ça. Donc pour en revenir, parce que tu as évoqué les civilisations amérindiennes, mais réellement, on pourrait faire toute une émission là-dessus, mais réellement, il y a eu un grand empire, qui est l'empire de la Polynésie, et effectivement, quand les océans, à la fin de la dernière glaciation, ont remonté de plus de 100 mètres, cet immense archipel, qui était très avancé au niveau culturel, navigation, calcul astronomique et scientifique, a disparu, et il a essaimé, en Amérique par justement la côte pacifique et on s'aperçoit aujourd'hui que certaines civilisations d'Amérique du Sud sont beaucoup plus anciennes que ce qu'on pourrait penser et que ce mégalithique ancien est beaucoup plus évolué que le mégalithique récent, c'est-à-dire par exemple celui de Stonehenge, il y a 5-6 000 ans, est un mégalithique qui est déjà décadent. Alors que si on remonte à Gobi Tepe en Turquie, donc il y a 11 000 ans, eh bien, on s'aperçoit que la pierre est travaillée avec encore plus de maîtrise. Et donc, c'est ce que Einstein lui-même disait, la science et le savoir, il est lacunaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir le projet comme quelque chose de continu. Il y a des paliers et il y a des régressions. L'humanité a déjà régressé et je pense qu'aujourd'hui, on vit une régression politique, sociale, culturelle, intellectuelle. Et c'est pour ça que je vais revenir sur cette tactique. On revient à la tyrannie et l'esprit. Oui. C'est incroyable cet âge-là. C'est pas incroyable. La régression, c'est bien. La régression peut être bien si on suce son pouce et si on revient à une régression naturelle. Mais il s'agit pas d'une régression naturelle. Il s'agit d'une régression dans des sociétés artificielles. Donc on revient à l'inquisition, c'est ce que j'appelle le néo-féodalisme. Et c'est une tactique de l'actuelle mafia militaro-industrielle nationale et de son opposition électorale agréée qui consiste à accorder 15 milliards d'euros d'argent public au groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Pourquoi ne pas avoir choisi la tactique qui consiste à applaudir tous les soirs à 20h les industriels des filières aéronautiques et spatiales françaises? Cela a particulièrement bien fonctionné pour tous les personnels soignants, pour tous les travailleurs de la grande distribution et pour tous les techniciens de surface. Serait-ce une stratégie plutôt qu'une tactique? Sur ces 15 milliards d'euros d'argent public, 800 millions d'euros sont consacrés à subventionner l'aéronautique militaire française. Le dictateur égyptien Al-Sisi et le premier ministre indien Modi vont-ils applaudir tous les soirs à 20h la générosité de tous les contribuables français? Tous les milliards d'euros d'aide publique accompagneront une croissance de la robotisation de la production, donc de nouveaux plans sociaux
pour tous les travailleurs salariés jugés excédentaires. Faut-il écologiquement relancer la nuisible croissance des transports aériens en planifiant la décroissance des cotisations sociales ? Quelle stratégie populaire, post-industrielle et décroissante viable au niveau de l'énergie, de l'eau, de l'alimentation, du logement, des arts, des sciences et des techniques ? Et effectivement, aujourd'hui, la stratégie viable de la non-violence est une stratégie qui doit penser non pas l'humanité, mais le vivant dans ses besoins essentiels qui sont la liberté, l'eau, l'alimentation, le logement, les arts et les sciences. Et c'est comme cela, c'est uniquement comme cela qu'on pourra se sortir de l'impasse actuelle. Et je passe l'histoire à mon ami Pierre. Non, mais je voulais juste comprendre. Bah non, bah justement, le néo-féodalisme, quand tu parles, je ne vois pas pourquoi c'est une régression. Au contraire, c'est très bien. C'est justement qu'il faut dire. Comment tu peux dire ça? Les gens restent chez eux, pas d'avion. Ah, ok. Non, mais le néo-féodalisme, c'est des avions, justement. Les artistes n'existaient pas, ils signaient pas leurs œuvres parce que c'était produit de quelque chose qui les dépassait, donc il n'y avait pas un grand auteur. Qu'est-ce que c'est ce qu'on peut dire aussi? Quand tu faisais un combat de chevalerie, tu gagnais rien. Il n'y avait pas de prix. Tu gagnais le cœur d'une femme. Il n'y avait pas de prix. Tu faisais un combat pour rien. Voilà. Alors, tout ce néo-féodalisme, néo-machin, je ne sais pas quoi, j'arrive pas à le dire, il n'y avait pas de prophète. Voilà, il n'y avait pas de puriculture à la con, la perte de culture, je ne sais pas quoi. Tout le monde faisait ce qu'il fallait faire dans le libationnisme. Le syndrome de la limace. C'est une espèce de blague organisée pour imprimer les animaux et les plantes. Alors, les carottes, voilà. Un rond de carottes, bon, une carotte. C'est pour ça que critiquer la régression, c'est très intéressant. Justement, revenir à ce qui n'est plus et ce qui ne sera jamais. Je pense que c'est quelque chose à promouvoir. Il faut arrêter de vouloir aller en avant. Il faut aller en arrière tout. C'est ce que je dis, voilà. Demi-tour, oui, demi-tour. On a déjà avancé. Et c'est ça, et c'est ça. Et on peut se casser la gueule. C'est ce que j'ai dit, aujourd'hui, ne rien faire est beaucoup moins nuisible que d'avancer et que cette marche forcée. Je vois que Pierre a parlé beaucoup sur les nuisibles, mais il faut comme... Alain disait, il faut vraiment distinguer entre la despotie, la tyrannie et la dictature. Bien sûr. Et la société est totalitarienne. Parce que nous ne sommes pas dans, elle a dit ça, nous ne sommes pas dans la société totalitarienne, comme le Staline et tout ça. Nous sommes vraiment, en ce moment, selon tous les points, 1, 2, 3, 4, dans la tyrannie. Et moi, j'étais tellement choquée par les qualifications de la tyrannie, j'ai commencé à pleurer parce que je vois que tout ça qui m'entoure, et c'est même les guichets de journaux et de supermarchés, ça appartient à une forme de la tyrannie. Oui, ce qui n'est pas le cas chez les féodaux, personne. Mais pas que féodaux, c'est pas le cas dans les 70 ou 80 ou 2000, non. C'est eh bien moi je vais vous donner rendez-vous parce que comme on est revenu en live sur nos émissions Radar, l'émission 108, on la fera le 2 juillet, donc on la fera après la mascarade municipale illégale, donc pour bien montrer qu'il y a eu plus de 8 Français sur 10 qui ne s'est pas déplacé à cette mascarade, donc c'est une grande victoire de la démocratie. Non, c'est une grande victoire des virus. Et c'est une grande victoire, mais le virus est démocratique. Hein. Le virus, il se fout de savoir si tu as 1 milliard d'euros ou de dollars, s'il veut t'envoyer au terminal des prétentions, il le fait. C'est ce que devrait être la fédération anarchiste. C'est ce que devrait. Il ne peut pas exister de fédération anarchiste parce que l'anarchie nie toutes les fédérations. Non, parce que le virus, par essence, ne reproduit pas la même déclaration. Exactement. Le virus n'a pas de comité central, il n'a pas de prophète qui dit ce qu'il faut faire, pas le virus de Théodine. C'est une structure néo-féodale très intéressante. Qui veut la fin des classes veut la fin de la lutte des classes. Voilà. Donc votez virus. Votez virus. Exactement. Et donc, je vous donne rendez-vous, je crois que c'est le 2 juillet. Donc dans 15 jours, et comme Marc, en fin de compte, risque de s'absenter qu'en août, eh bien, 15 et 2, le 17 juillet. C'est-à-dire que... On ne va pas bouger, on reste ici. Voilà. Et donc, on ne s'arrêtera peut-être qu'après le 17 juillet. Voilà. Et je remercie. Alors, je tiens à remercier. Et c'est très, très bien parce qu'on est le 18 juin et Nina et Pierre
avons participé il y a 3 mois aux 2 dernières émissions Radar. Non, mais je trouve ça intéressant parce que pour moi, ça me tient à cœur. Parce que aujourd'hui, le plus important, c'est pour ça que j'ai parlé, que j'étais prophète de la musique, c'est que pour moi, il faut que tous les intellectuels et les artistes mettent en avant ce qu'a dit Nina à travers ce qu'elle nous a dit du livre qu'elle lit actuellement. C'est que le plus important, c'est de relancer la production, le dialogue et surtout de ne plus se soumettre à l'étouffoir et à la peur. La tyrannie, le tyran, c'est pas selon moi, c'est selon Hannah Arendt et Platon et les gens juste comme ça. Il n'a de pouvoir que par notre peur. Non, c'est pas Nina qui a dit, s'il vous plaît. Mais c'est les précédents plus illustres qui ont dit que le premier signe de la tyrannie et de tyran, c'est produire la peur. Bien sûr. C'est si tu produis la peur, parce que le tyran, c'est la première qualité du tyran, qu'il essaie à produire la peur. Le producteur de cinéma aussi. C'est assez intéressant, l'éditeur et le producteur de cinéma fonctionnent sur le même. Et tu sais, c'est le livre. La peur par rapport aux... Le livre de Naomi Klein, c'est ça. C'est l'effroi. C'est-à-dire que si tu ne suscites pas l'effroi. Mais tu sais, c'est pour ça que ces municipales sont illégales. Parce que les gens sont encore dans la phobie du Covid-19. Donc tu ne peux pas avoir un choix raisonné. Non, cette peur continue à être entretenue par les institutions publiques et privées. Alors, moi, les gens ne devraient... C'est pas que tout le monde s'en fout. Je n'accepte. Oui, non. C'est pas que tout le monde s'en fout. On ne peut pas dire comme ça. C'est l'ordre de l'humanité. Et peut-être dans l'ère de la police. C'est-à-dire la police qui massacrerait, comme disait Uderzo, en dehors du règlement. C'est-à-dire, il est acceptable que la police massacre en fonction du règlement. S'il n'y a pas de règlement, c'est l'initiative que la police massacre. Eh bien, tu sais, ça va être simple pour ça. La police doit massacrer. Oui, c'est pas. Alors, ce livre, ce n'est pas mon Bible. Non, ce n'est pas un Bible, mais, par exemple. C'est réglementaire. Elle, cette dame, elle va. Je trouve ça génial. C'est que chacun. Non, c'est dans un discours. Si c'est pas l'émission part en live. Non, c'est le même discours. Excuse-moi, c'est le même discours. J'ai dit. Il y a Nina qui voulait dire. Non, je voulais dire que c'est le même discours. Et par exemple, dans le deuxième chapitre, on a parlé de la tyrannie et tout ça, les divisions de catégories de gouvernement dans le premier chapitre. Mais le deuxième chapitre, c'est autorité au XXe siècle. Qu'est-ce que c'est l'autorité? Comment tu obtiens l'autorité? Et ça, c'est assez sombre aussi. Mais bon, enfin, on n'avait pas été déprimé tout le temps. La chose spécifique est que comment nous allons sortir, parce que c'est assez déprimant que cette dame, elle a écrit ce livre dans 1956. Merci. 1956. Alors, si nous constatons que rien n'a changé depuis 1956, alors c'est... Franchement, j'ai un grand respect pour elle, mais beaucoup de choses ont changé. Il y a tout le monde, il y a des cadres, il y a des choses, il y a partout des gens... Moi, je pense que cette crise de Covid-19 et tout ça, ça montre vraiment... Mais c'est dans notre semaine, on n'en parlera plus, ça sera impossible. Non, je te jure, c'est fini, c'est ce qu'il ça sera, okay. Je te dis, maintenant, la police doit-elle matraquer les gens en fonction de règlement, légalement? La police a-t-elle le droit de mettre des menottes et de matraquer des femmes enceintes si c'est légal? Si c'est pas légal, elle n'a pas le droit. Ça n'est pas dans d'accord. Est-ce qu'on a le droit de torturer légalement? Est-ce qu'on a le droit de... Voilà, c'est le problème de droit. Le droit dans la France, c'est le droit. Covid, ça fait partie de ta beauté, de ton charme, que tu es un optimiste et tout ça, mais c'est pas... Moi, j'ai vraiment... On a vécu toute cette crise d'une façon différente, toi et moi. Et moi, j'ai été poussée vraiment de me sentir comme un Auschwitz, de produire un masque qui était comme l'insignia sur les épaules, tu vois, comme de l'époque d'Eichmann.
Mais finalement, tu n'as pas vécu avec ton masque et tout ça, c'était propre. Moi j'ai trouvé ça kafkaïen. Non, moi j'ai vécu ça. Tout à fait. Une certaine peur. Huit clos. La métamorphose. Mais oui, mais la métamorphose, c'est pas vrai. C'est quand même dingue cette histoire, j'en parle encore avec moi. C'est pas du tout un bouquin triste. Non. C'est quoi ce délire? Bah, il se métamorphose en autre chose. Mais qui c'est qui a dit que c'était triste? Bah, je vais t'expliquer, Pierre. Moi, un matin, je me suis réveillé, j'étais Pierre Morachowski. Bon, bah, c'est pas bon, je me suis réveillé, j'étais Pierre Morachowski. Ah, bon, et bon. Mais attends, le problème. Et tu faisais craque. Non, c'est que je me réveille. T'as aligné des carottes. Puis d'un coup, je vais pisser, mais c'est pas ma queue, ça. Oui, je regarde autour de moi, et je me dis, mais je suis chez Pierre. Bah, je me dis, mais t'es con, si t'es Pierre Morachowski, tu te réveilles chez Pierre Morachowski. Mais je me dis, mais alors où est-ce que je suis? Mais il n'y a pas Pierre Morachowski. Dans quelle étagère? Et en fin de compte, d'un coup, je me réveille et je suis tout à fait rassuré. Je me retrouve Pierre. Tu as retrouvé ton zizi. Mais j'ai pensé métamorphose. Je m'étais transformé sur ce point précis. Sur ce point précis, on ne peut pas se réveiller chez Pierre Moskowski. Parce qu'il n'y a pas de chez Pierre Moskowski. Chez Pierre Moskowski, où il appartient à la banque, ou au notaire, je ne sais pas exactement à qui, ou à d'autres personnes qui parfois m'hébergent. Mais il n'y a pas de chez Pierre Moskowski. Donc on ne peut pas se réveiller chez Pierre Moskowski. Ça n'a pas de sens. Ah ben, je me suis réveillé en tant que Pierre Moskowski. J'étais dans la peau de Pierre Moskowski. Et pas du tout dans la peau de John Malkovich. C'est pas triste. Mais la métamorphose, c'est ça. Ouais. Le thème de la métamorphose, c'est qu'il se révèle, il est quoi? Il devient un insecte. Et il devient donc la vermine. Il se voit déjà vermine qu'on va exterminer. C'est-à-dire, il est déjà exterminé. Mais pourquoi la vermine? Mais la vermine, parce que à cette époque-là, dans tous les discours, eh bien, le juif est la vermine. Le juif, et c'est ce qu'il faut éliminer. Oui, mais c'est pas parce que c'est un discours que c'est vrai. Mais non, c'est pas parce que c'est un discours que c'est vrai. C'est pas parce que c'est un discours que c'est vrai. Mais s'il y a eu 6 millions de gens qui sont passés dans des fours, c'est à cause de ces discours. Ah non. Et c'est le discours qui tue. C'est le discours qui tue. Non, je vais te dire, le responsable, c'est le diacre de Vatican. Comme on lui a dit un jour. Bon, il faut quand même réécrire un truc, on ne sait pas, par rapport à la liturgie, comme il ne savait pas. Il a écrit « Le peuple déicide ». Mais si tu veux, c'est comme un jugement d'un tribunal. Il y a un jugement qui te déclare coupable. Après, il y a tellement de dossiers comme greffier, bah, il met un certain temps à appuyer les avis du juge. Alors, au Vatican, c'est pareil. Tout le temps, il y a des avis apostoliques, etc., romains. Et donc, il y a un mec qui a écrit « Le peuple déicide ». Mais si tu veux, c'est un concours de circonstances. Il ne savait pas quoi écrire, c'était le bordel, il ne se souvenait pas. Et s'il n'écrit pas quelque chose, s'il n'écrit pas l'arrêté, le juge, là, il peut avoir des ennuis. Eh bien, tu vois, Pierre, c'est mis à pied pour plusieurs années. C'est pour ça que tu es un prophète. Oui. Parce que justement, c'est ce que je te dis. Tu es le prophète. Tu sais pas. Mais cette idée. T'es un prophète amérindien. T'es le Mécocard. C'est-à-dire, t'es celui qui se lave dans le sable et qui se sèche en se plongeant dans l'eau. Il se lave pas non plus. Mais je trouve ça assez extraordinaire parce que pour moi, tu représentes l'essence même du prophète. C'est-à-dire, tu es capable de tenir un discours qui est à l'inverse de ce que tu ressens parce que tu es mu par un profond optimisme, parce que tu sais que derrière tout ça, eh bien, le soleil ressurgit. Tu sais que la vie domine sur tout, que l'esprit domine sur tout, et qu'une dictature, elle finit toujours par s'effondrer. Ah bah oui, c'est le sens de toutes les tyrannies, de toutes les dictatures. Mais ça, c'est deux. Pourquoi ça s'effondre, les dictatures? C'est ça qui est passionnant. Parce qu'ils n'ont pas de taxe. Ils n'ont pas de... Alors, ils disent, je suis dictateur. Mais ça, non, ils sont démocrates. Il n'y a pas de texte. On n'a pas dit que tu es le chef de gouvernement et tout ça. Non, on n'a jamais dit ça. Non, c'est plus dur. Mais il n'y a pas de texte. N'assume pas. S'il n'y a pas de texte, la dictature s'écroule. Il n'y a pas de... Le chef est démocrate. Ça c'est Louis de Funès, c'est la folie de grandeur de Pierre. Ça s'appelle la folie de grandeur. Eh bien, moi, je vais faire une chose, parce que je vois la batterie, et j'aimerais bien que notre ami Marc sauvegarde l'émission avant qu'on ait une perte de batterie, tout comme ça. Et je vais vous dire, franchement, revenez le 2 juillet, on va bien se marrer, parce que ça va être open, et inviter du monde, parce que je pense que c'est les esprits qu'il faut déconfiner. Si les corps sont déconfinés, aujourd'hui, on a le devoir de déconfiner. Mais alors, les gens, ils ne veulent pas venir. Mais qu'ils viennent avec leur hérisson, qu'ils viennent en escargot, je m'en fous. Mais ils ne veulent pas, mais t'en sais rien, ils ne veulent pas. On va peut-être aller chez eux. Et on fait, je pense que ça serait délicat. Tu prends ton accordéon, on se met chez eux ça serait mieux d'aller chez eux. Parce qu'au moins, ils seront obligés de se positionner. On s'invite chez Zemmour. Non, Zemmour, c'est pas drôle. Ah bon? Ah, bon, pourquoi? Parce que je l'ai resté.
On se dit rendez-vous dans 15 jours. Non, je pense qu'il vaut mieux aller chez des gens qu'on connaît. C'est plus intéressant. Si Zemmour, on ne le connaît pas, mais on va aller chez des gens qu'on connaît. On dit voilà, aujourd'hui c'est Radio-Rabat, on va faire une soirée chez toi. Des gens qui sont proches. Alors, bon, je ne vais pas aller voir les mêmes des enfants. Labro. Labro, il a un peu de voix. Mais Labro, il sera ravi d'ailleurs. Non, mais je ne sais pas, on va. Je suis très ravi de m'ajouter des gens autour de moi. C'est le sujet. Je veux que nous soyons là chez toi. Chez Macron. On verra. Non, mais je ne le connais pas, moi. Non, mais c'est pas intéressant, je sais qu'il ne le connaît pas. Comme si je ne le connais pas, ça fait télé, il va très peu, je sais pas quoi. Si c'est quelqu'un qui le connaît, c'est très intéressant. Parce que pour soi qui lui apporte, soit qui ne voit pas, c'est un dispositif. Voilà, on va chez ton amie canadienne, qui est écrivaine. Oui, mais elle habite loin. Lesquelles? Celle où tu m'as invité un jour et je me suis coincé en retard. J'ai failli ne pas y aller, j'avais été idiot de ne pas y aller. Je risque à oublier la dame avec le chapeau aussi. Il s'appelle Liza. Lisa Jarbon. Bon. Mais elle est canadienne, mariée avec un anglais, elle a fait dans 18e. Bonsoir à toutes, vous parlez. Ok, on va, je me souviens. De citer des noms et donc, rendez-vous dans 15 jours. Je me suis pas dit, je ne savais même plus qui tu étais.